C'est quand même bien désolant hein, de voir ça. De voir ça. Et ça. Alors que si on se donne la peine de faire ça et ça, il y a ça juste là. Allez, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. On est sur le même spot avec la vidéo de la semaine dernière, parce que je pense que vous l'aurez vu, on a fait des belles trouvailles ici, à quelques-unes en particulier, mais on avait envie de revenir voir un petit peu. Et moi j'étais au terror. Alors aujourd'hui j'ai pris le Barbarian, hein, juste là, Barbarian 1600 kg. Je suis avec Mathieu encore, juste ici. Mathieu qui revient avec moi aujourd'hui pour cette pêche à l'aimant. Donc voilà, bah allez, moi je vous mets sur mon torse et c'est parti. A tout de suite. Bon les amis, regardez mon premier lancer. Je me suis dit, bah je vais pas le filmer pour une fois. Je vais pêcher un peu et puis... Et bah je vous reprends quand même pour vous partager ça. Parce que regardez, j'ai fait un vieux trousseau de clés. Salut les amis, comment ça va? Un vieux trousseau de clés. Voilà. Il est pas tout jeune celui-là les amis. Hein. Ça fait plaisir. Donc ça va pas dans le soin des déchets, pas. Oula, c'est dur ce matin. Et puis après, ouais, bah c'est tout. Bon, après pas mal de lancers, il n'y a pas grand chose. Et là ce coup-ci. Eh ben ouais. J'en sais rien, mais c'est de la pierre quoi. Dans le pot, vous voyez. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Ah, il m'a chopé quelque chose ou pas lui là? Ce serait bien. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose. Les moules là sont encore vivantes. Hop. Ouais, bon. Bah là les copains, on va en faire encore quelques lancers ici. Et si on voit que ça change pas, que ça donne pas plus, on essaiera de se décaler un petit peu et on verra ce que ça va donner. Bon après, je suis d'accord avec vous que ça reste de la dépollution, hein, mais... On aime bien quand on sort un peu plus gros quoi. Oh bah tiens regarde, putain, bah alors là mon copain, je peux te dire que j'en ai dessus hein. J'ai un shuriken de Naruto, j'ai un collier de serrage et laisse tomber. Bah le même collier que la dernière fois, sauf que celui-là il est coupé. Ils l'ont coupé là, donc bah voilà. Au lieu de le mettre à la poubelle, bah dans l'eau, ça va tellement mieux. Une barre. Ah, j'ai des objets assez bizarres là-dessus. Ça, c'est pareil. Regardez, c'est un objet qui peut être intéressant. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais regardez, c'est pointu là. Là, il y a un creux. Est-ce que ça pourrait être un petit fourreau d'un petit... Franchement, j'en sais rien, mais c'est une belle trouvaille, ça fait plaisir. Je vais demander après à Mathieu ce qu'il en pense, mais c'est quelque chose de plutôt sympa. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc hop. Ah, et pareil, tout à l'heure, j'avais pêché ça. Je sais pas si certains d'entre vous ont une idée, je suis preneur. Hop. Je vous le montre, hein. Clac. Vous voyez. Ouais, retourne pas à l'eau. Et ça, bah, c'est pareil, je sais pas. Mais c'est un objet plutôt intéressant, je vous avoue, je sais pas du tout. Mais vraiment pas. Ok, bah je vais le mettre là avec les
puis là on a une vis qui est pas très vieille. Ok. Tu parles tout ça pour ça? Un petit clou clou. Des recherches. Et ben c'est pas fructueux aujourd'hui mes amis hein. Regardez-moi ça, un caillou, une barre et une capsule. Oula. J'allais vous dire la barre de fer de l'enfer, mais j'ai pas l'impression que ce soit qu'une seule barre de fer de l'enfer en fait. Et là, il y a. Enfin, je sais pas vraiment. Est-ce que je peux. Ah, je vais le casser. Et c'est pointu ici. Donc, je sais pas vraiment ce que ça peut être. Si certains d'entre vous le savent, vous pouvez me le dire. Bon, c'est pas une grosse dépôt aujourd'hui, mais. Dépôt quand même. Des pollutions quand même. Ah ça sert. Bah tout à l'heure j'ai essayé de l'attraper et j'ai pas réussi. C'est là que je me suis collé sur la poêle planche. Bah oui, c'est tout le monde me le dit. Eh, restez avec nous les copains, c'est mieux. Ah bah voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. Oh, la boîte de... La boîte de pâté, tu la veux ou... Ça c'est pour toi, Zed. Fais attention aux doigts. C'est fini les copains, il a plus de pile de barbarian. Il remonte plus rien. Rien du tout. Terminé.
l'andouille. Ben ouais, puis à faire l'andouille, ben voilà. C'est un bon endroit. On a peut-être une chance qu'il soit pas tout seul. Ouais. J'ai la barre de l'enfer, les gars. Au moins, je l'ai eu. Bon, et eh ben, ça donne plus beaucoup là-bas. Ça veut dire que juste là-bas, voilà. Ça veut dire que soit on a bien nettoyé, soit c'est bien propre. Donc je me suis décalé un peu. Hop, j'envoie le Barbarian à l'eau. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Allez. Qu'est-ce que nous donne ce lancer là où on vient de se décaler? Ah bah déjà il y a un petit peu plus de trucs que d'habitude, tout à l'heure il n'y avait rien. Ouais, des feuilles, des clous quoi. Hop. Hop. Tout dans le seau bien sûr. Et on continue. Ouais, voilà. je suis habitué à ça, enfin habitué à bonnet comme. Oh mais ça continue en plus. Ouais. Il y a quoi à l'extrémité là? Ouais, je sais pas, c'est du câble quoi. Après avec, ouais, rien d'extraordinaire non plus. Eh ben mes amis, aujourd'hui c'est pas fructueux, hein. C'est pas fructueux aujourd'hui. Us. C'est hallucinant les copains. Oh, je me suis encore décalé, ça fait 15 lancers que je fais, je remonte à rien du tout. Après hallucinant c'est mieux, j'ai envie de vous dire, c'est mieux, ça c'est propre. Et là j'en ai refait un, on va bien voir ce que ça va donner. Ouais, on va voir ça ensemble. Bon, le coin m'a l'air relativement propre. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ah bah ça, bah voilà. Alors ça, par contre, bah ça, je sais pas. Un petit bout de plastique. Ça, c'est pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Mais ça, c'est bizarre, un bout de plastique comme ça. J'en sais rien du tout. Mais bon, le coin, il est propre. Hein. Franchement, je sais pas pour Mathieu comment ça se passe là-bas, mais moi, chou blanc, hein. Bon bah les amis, c'est fini pour aujourd'hui. C'était pas une grosse dépôt, mais des pollutions quand même. Je vous fais un petit zoom, un petit plan, voilà, vous voyez tout ce qu'il y a là. Des découvertes variées à découvrir sur les deux chaînes, sur la mienne et sur celle de Mathieu. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche à l'aimant. A bientôt les amis, salut.